un nouveau pas dans la collection Amazon, puisqu'on a vu Amazon en home office, donc toute la gestion de la vidéo, comme d'habitude, le son. Et puis bah, aujourd'hui, on voit évoluer avec la gestion de la maison, proprement dit, donc les distributeurs pour animaux, la sécurité, bien évidemment, avec les caméras, mais aussi dans le domaine, plus principalement, de la cuisine. Alors, vous verrez, il y a quelques photos, c'est amusant, on trouve beaucoup d'hommes dans la cuisine. Alors, est-ce que, justement, Alexa d'Amazon va attirer les hommes dans la cuisine? Ça va être assez amusant. Mais on voit plein de choses, hein, donc du réfrigérateur connecté, rien de nouveau, mais en passant par notamment le distributeur de médicaments automatique, la programmation du réfrigérateur, la programmation de la plaque chauffante. Donc tout un tas d'éléments qui sont pilotés par la voix aujourd'hui, puisque les skills qui sont de plus en plus développés permettent toute cette interaction avec les groupes. Alors un événement sur lequel on n'attendait pas du tout Amazon et qui est tout à fait nouveau, c'est ce que vous voyez derrière moi, c'est eh bien tout simplement une Lamborghini qui est connectée sur Alexa. Donc c'est un produit assez sympa, puisque en fait vous pouvez commander bien évidemment toutes les fonctions. Donc ça, c'est des fonctions qui existent déjà chez la plupart des grands préparateurs, mais c'est-à-dire que de votre voiture, vous pouvez commander directement l'ouverture de votre portail, directement la réfrigération de votre cave à vin pour avoir le vin à la bonne température, vous pouvez piloter la nourriture de votre chien, en fait tous les événements qui peuvent être la vie quotidienne tout en roulant. Donc on n'est pas encore dans la voiture autonome, on va en voir après.